Nailed 2.0 game. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une autre aventure de Conan. Alors là, je vous accueille dans une tenue légère, on va dire, hein, plus d'armure, plus rien, parce que hop, j'étais obligé de lui retirer son arme parce qu'elle ne peut plus beaucoup porter de choses car il y a eu une mise à jour. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, donc la veille de cette vidéo, j'ai eu une mise à jour. Donc cette vidéo est enregistrée le 24 juin. Hein, donc je sais pas quand est-ce que je vais vous la diffuser puisque j'ai un petit peu d'avance pour pouvoir maintenir mes séries toutes mes séries en cours, je prends de l'avance. Hein. Donc on a perdu tous nos attributs, toutes nos aptitudes, nos attributs. Donc il faut recommencer. Vous voyez, donc là il y a elle n'a plus rien. Hein, donc je vais tout remettre comme avant. Enfin, je vais essayer. La seule chose qu'on n'a pas perdue, c'est les recettes qu'on a pu apprendre et les choses qu'on a pu découvrir, voyez, les dagues abyssales, la tenue lémurienne, tout ça, tout ce qu'on a pu apprendre à côté des recettes qu'on débloque avec des points avec des points disponibles, je les ai pas perdus. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Donc j'ai perdu évidemment mes deux temples, Yogg et Seth, enfin Seth et Yogg, donc ça, je les avais pas encore. J'ai rajouté deux modes, qui est celui-ci, qui permet de faire des passerelles un peu comme dans la ville, vous voyez. Ça, c'est sympa. Donc, je trouvais ça sympa de le mettre. Bon, ça coûte un en déblocage. Et l'autre mode, c'est, je vais vous montrer, c'est par où que ça se passe. C'est par là. Hop. C'est celui-ci. Vous voyez, bon, là, je suis en train de faire de l'acier. Je l'avais arrêté. Hop. Et là. Ça me fait du goudron. C'est en fait quand je vais brûler du cuir. Donc 10 cuirs va me donner un goudron. Donc on va continuer à faire. Voilà. On est parti à faire. Voilà. 10 cuirs, on est parti à faire du goudron. Quand vous avez trop de peau, enfin trop de cuir, bah, vous pouvez faire du goudron avec. C'est un petit mode qui s'appelle. Bah, c'est tard, recette tard, je crois. Et l'autre c'était donc Exil Architecte. Donc dans cette vidéo, bah, ce qu'on va faire, hop, vu qu'elle n'a plus de recettes, bah, je vais les remettre. Donc je vais ouvrir une ellipse, hein, je vais remettre mes recettes, enfin je vais reprendre ce que j'ai besoin. Et dans cette vidéo, on va aller apprendre toutes les religions. Donc on va aller ici pour Yogg, ici pour 7. Il y en a une autre qui est par ici, je crois, pour près du temple de Mitra. Non, c'est pas ici, c'est ici par exemple. Voilà, là, ici, vous pouvez apprendre Mitra. Bon, là, il n'y en a pas besoin. On ira par ici pour apprendre celle de d'Erko, je crois, et on ira aussi par ici pour apprendre celle d'Ymir. Alors, comme j'ai toujours mon mode de téléportage, je n'ai plus de place, hein, j'en ai que 10, donc il va falloir que j'y aille pas à pied. Donc je vais vous faire des ellipses à chaque fois pour m'y rendre. Je vous montrerai bien sûr où c'est sur la carte. Là, il y a aussi les comment. Pour connecter à son bracelet, j'oublie les noms. Je sais plus. Il doit en avoir un par ici, il doit en avoir un là. Il y en a un ici, il y en a un ici. Il y en a un autre par ici, je crois. Et puis je sais plus.
Donc on essaiera de les faire aussi, mais je ne sais pas si on aura le temps de faire dans cette vidéo la totalité de ceci. Donc bah voyez, dans mon inventaire, moi je n'ai plus rien. Hein, donc il faudrait que je l'ai habillé comme ceci pour l'instant. Celle-là, on ne l'a pas perdue, encore heureux. Et donc voilà, le seul temple qui me reste, c'est le mien. Celui de Mitra. Donc je referai une saison où on prendra la religion de Chrome. Celle qui donne aucun temple en fait, et celle qui vous donne un bonus de farm au démarrage, d'après ce que j'ai compris. Donc je referai une saison là-dessus. Mais bon, pour l'instant, le but de la vidéo, c'est d'aller apprendre au moins 7 Yogg, Ymir, Derko. Si je ne me trompe pas, au niveau des temples. Donc 7 Yogg, Ymir, Derk. Ah non, Derkto. Bon, bref, on va apprendre tout ça. Allez, je vous fais une ellipse, je coupe, je rattribue, sans bien évidemment mettre ceci, ce que j'ai déjà appris et ce que j'ai besoin pour continuer. Ah oui, il y a aussi ça. Bah oui, dans la mise à jour, ils ont mis à jour pour pouvoir intégrer le DLC qui est le CD impérial. Donc un truc un peu japonisant, je crois. Enfin, japonisant, asiatique, je sais pas comment dire. Voilà, donc. Alors, ce qui est, c'est pas traduit en français. Quand on a une version française, c'est un peu embêtant. Bon, c'est ce que c'est, mais voilà. Épée à deux mains, masse à deux mains, la lance. Donc, il y a des nouveaux. Mais il faut avoir le DLC, vous voyez. Je vais certainement le prendre, mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps puisque la mise à jour date d'hier pour moi. Hein. Au moment où je diffuse la vidéo, il y aura peut-être un mois de passé, voire peut-être deux. Donc, je vais couper la vidéo. Je vais remettre les points d'aptitude et d'attribut. Et je me retrouve quand je serai soit à 7, soit à Yogg pour apprendre la religion. Et je vous montrerai ensuite où se trouvent bah, les deux autres. Et savoir comment, si ça marche vraiment, hein, quand on apprend la religion, est-ce que ça débloque bien les temples? Parce que je vous le dis, mais j'ai jamais essayé. Allez, à tout à l'heure. On se retrouve au temple de Yogg. Donc là je suis en face, hein, vous voyez. Donc sur la carte, je vous ai bien dit, voilà, c'est ici, hein, où il y a le feu là. Bon, c'est moi. Donc on va aller voir si c'est vraiment, si on va vraiment pouvoir apprendre la religion. Voilà, on y va. Stay your hands, stranger. Voilà, apprendre la religion. Look into the pit. The Lord of Empty Abodes awaits therein. I am his shaman, Nuno. Your coming. Donc j'ai appris la religion de Yogg. Alors regardons. Oui, je me suis arrêté en même temps. Il y avait du bois mort. Hein, j'ai fait un peu d'écorce. Donc c'est pour là que je voulais aller. Dans les prières. Voilà, j'ai appris Yogg. C'est qui ne m'a coûté aucun point. Donc maintenant je vais pouvoir apprendre ceci qui va me coûter que 5 points. Ceci qui va me coûter 11 points. Et ceci 7 points. Donc vous voyez, ça me coûte quand même beaucoup moins cher. Et ben, on va aller apprendre celui de 7. Hein. Après on ira. Donc celui de 7, il est. Il est ici. Ah, donc vous voyez, je suis mort ici. Hein. J'ai voulu, me suis téléporté à ma base de fer. Je suis monté une falaise et je suis tombé. Donc voilà. Donc je vais me téléporter certainement ici pour aller là où je dois voir quelque chose par là pour redescendre. Je ne sais plus. En tout cas, je refais une petite ellipse. Donc ça marche. Donc on va retourner donc à celui-ci. Alors je sais pas si j'ai un marqueur par là, parce que pour aller ici, alors j'ai la haie des boucaniers qui est ici. Ah, à traverser, ouais, ça peut le faire. J'irai faire celui des boucaniers. Enfin les boucaniers, non, on ira ensemble ça. Je l'ai pas encore vu. Je l'ai vu de loin. Hein, je suis resté sur la place et je suis allé ici. J'ai regardé, mais je suis pas allé. On va aller par là après. Bon, allez, à tout de suite quand une fois que j'y suis arrivé. Alors je suis pas encore arrivé au temple de Seth, mais regardez, j'ai croisé quelque chose sur la route.
Attendez voir, est-ce qu'il va m'aggro tout de suite? Non, voilà. Et là, normalement, il est un peu plus gros que les autres, ça veut dire que par là, il doit avoir un coffre. On verra bien. Il doit protéger un coffre. On va aller le titiller un peu. Ne vous fiez pas aux apparences, l'épée que j'ai est puissante, j'ai de la force, j'ai des... Et mes stats, enfin mes stats, mais c'est un peu cheaté, hein, on va dire, puisqu'il me faut moins de dégâts que moi je leur en inflige. Hop, donc là j'ai récupéré les clés, on va... Voilà, on va récupérer tout ça, mais... Les crocs, on va pas les garder. Les 142 peaux de reptile, pour l'instant je suis à 54, je vais pas l'acheter. Donc j'ai récupéré les clés. Donc maintenant, il faut que je trouve le coffre. Je le verrai bien au fond par là. Le voilà. Alors, qu'est-ce que je vais récupérer dedans? Voilà, je vais récupérer un arc. Légendaire, bonus de cran. Ah, pas mal. 18 et 9. Ah, pas mal. Hop, et le coffre disparaît, bien entendu. Donc, je vais vous montrer où je suis sur la carte. Je suis près du temple quand même. Hein. Il doit être par là, le temple. Je sais pas si c'est celui-ci ou celui-là. Je crois que c'est celui-ci. Donc, je suis pas loin. Donc, je vais peut-être vous garder en vidéo. Ah. Il y a une tempête. Je vais l'équiper de son masque. Voilà. Masque filtrant, normalement, je ne crains rien. Et donc l'arc que j'ai là, c'est un arc. Ok. Et donc j'ai 18 et 19 bonus de précision. Ah, je vais peut-être me prendre un petit bonus de cran à la place. Bonus de cran, bah ça a pas l'air de fonctionner. J'ai un bonus de force, un bonus de précision avec. Bonus de cran, je dois être. Non, moi je suis là, oh non. Des fois ça marche pas trop bien. Ah, mais attendez, je suis pas équipé pour sa tête. Ah, voilà, bonus de cran quand je suis équipé. Ouais, mais elle peut pas grimper avec. Si? Oui, alors là, grosse tempête, hein. Grosse tempête. Donc là, elle va pas marcher vite, vite. Donc, dans la tempête, je ne vois rien. Bien évidemment. Donc, je vais pas pouvoir vous montrer. Bon, là, elle est à l'abri en plus. Ok. Je reprendrai la vidéo quand je serai arrivé au temple, hein, et que la tempête sera finie. Hein, donc je vais vous dire dans cette vidéo, on va faire plein plein d'ellipses. Tant pis, hein, je vais pas garder la tempête. Et puis je vous rejoins quand je suis au temple de. Donc je De reprends la 7. vidéo, je suis presque arrivé au temple de Seth, je pense. Alors je vous montre où je suis sur la carte. Voilà, je suis dans la savane en fait, là, l'espèce de. Ouais, l'espèce de savane, on va dire. Donc abdo à moi. Attendez voir, hop, par ici, voilà. Non, attendez, je me suis perdu encore une fois. Hop, il doit avoir un chemin. Je l'ai perdu, mon chemin. Non, le voilà, hop. Voilà, il y a un chemin. C'est pour ça que je me suis arrêté ici. Alors là, vous arrivez soit par ici, soit par la savane. Et là, il faut monter le petit chemin. Et donc, les marches du temple. Et normalement, nous avons le prêtre en haut. Je ne m'abuse, voilà. Dis donc, te sauve pas, toi, je voudrais te parler. No closer, exile, lest I Voilà. blast your feeble skin from your bones. I am Mechamosis of the Black Ring. In this entire time, I was.
Oui, c'est bien, tu as raison. Donc là, on a appris la religion de Seth. Alors, on va aller voir un peu ce qu'on voit d'en haut, hein, pour vous montrer où on est, pour que vous puissiez vous situer. Voilà. Donc là, on a la vue sur la ville. Enfin, la ville. Moi, ce que j'appelle la ville. Et les temples et tout ça. Donc là, le temple de Seth, voilà. Donc on a appris sa religion. Je crois qu'il y a des choses dessus là, je sais plus. Non, là il n'y a pas. Là il n'y a pas non plus. Je crois qu'il y avait des recettes dans le coin à apprendre aussi, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je me rappelle plus trop si c'était dans celui-ci ou pas. Bon ben vous ferez le tour de toute façon, hein. Donc là je vous montre lequel que c'est sur la carte, hein. Bien ce que je vous disais, hein. C'est celui qui est ici, hein, qui est ce qu'ils vont me donner, voilà. Donc voilà, ça c'est fait, on a fait Yogg et Seth. Donc maintenant on va aller faire peut-être celui qui est par là. Que je dois avoir ici la base du nord, je sais pas comment je l'ai appelé, où j'allais me transporter à la haie des boucaniers, descendre tout ça. Allez, on va faire celui-ci. Qui doit être Derketo, je sais pas quoi. On verra bien. On va bien voir où je peux me téléporter le plus près possible. De toute façon, on fera les deux. Hein. Donc, eh ben, je vous retrouve tout de suite après. Enfin, tout de suite après, une fois que j'y suis arrivé. Allez. A tout de suite. On se retrouve pour le temple d'Ymir là. Elle a froid là. Hein. Attention, faut pas rester trop longtemps, elle va perdre de la vie sinon. Ouais, et elle a soif. Alors boire ça, ça doit être faisable. Voilà. Je vais manger une petite crevette. Ça la réchauffe pas beaucoup, mais c'est pas grave. Donc on arrive sur le temple d'Ymir. La carte, je vais vous la montrer où je suis, donc quand même, voilà, on est ici, camp du banni, donc je suis passé par là, monté, et ici, voilà, donc je vous montrerai comment, parce que là j'arrive par là, parce que j'ai fait un peu le tour, parce que je suis arrivé dessus direct en montant, donc voilà Ymir, il est balèze, hein. Il y a un coffre, est-ce que je peux prendre son coffre? Ouais, tiens, j'ai des os, ça m'intéresse. Chair d'huître. Ouais. De l'écorce. Et de... Ok. Donc, on va aller voir Ymir. Et lui parler, s'il veut bien que je lui parle. Voilà. Et on apprend... Donc j'ai appris la religion d'Ymir. Donc je peux avoir son temple. Alors est-ce qu'on peut arriver de par là? Normalement ça doit être plus faisable, je pense. Ouais voilà, vous devez arriver normalement de par là. Ah, attendez voir un peu là. Elle va avoir un petit peu froid, mais qu'est-ce que je vois ici? Quelque chose qui m'intéresse. Non, c'est de la glace. Moi, ce que j'aurais voulu, c'était de la glace noire. Donc là, j'ai de la glace, mais... Et eux, ils sont agressifs, eux, ou pas? Ah, ils sont agressifs quand on les embête, oui, effectivement. Donc, on va prendre une petite pioche. Corne et peau, ok. Si je prends la hache, viande savoureuse, ok. Et si je prends la torche, oui, ça peut réchauffer, c'est ça. De la peau, alors voilà, ça peut réchauffer la torche. Donc de la glace, mais c'est pas de la glace noire, ça. Ça, c'est de la glace toute simple.
Ouais, c'est pas ce que j'aimerais bien trouver. Ah, c'est quoi ça? C'est de la pierre toute simple. Il y a du charbon. Donc on découvre en même temps parce que moi je connais pas cet endroit-là. Ça, c'est quoi? C'est du fer. Voilà. Ok. Du fer, de la. Ah! C'est peut-être ce que je cherche. De la glace noire. Voilà. Vous êtes trop encombré, c'est pas grave. Je me sers de glace noire. Ce que je vais faire, je vais virer tout ce qui me sert à rien. Hop, ça me sert à rien. Ça me sert à rien. La glace normale, j'en ai déjà. Je la vire. La glace noire, je la garde. Pierre de fer et pierre, je vire. 95. Ok, donc la glace noire va me permettre de faire en fait mes frigos de conservation en fait depuis le temps que je voulais en faire. Glace noire, elle n'a pas de. D'accord. Grande qualité d'ingrédients, ok. Et elle n'a pas de durée. Bon. Ah bah c'est parfait. On va pouvoir la garder. Donc bah voilà, on a trouvé un endroit où il y a de la glace noire en haut du temple d'Ymir. J'ai essayé de pas tomber. Voilà. Donc le camp d'Ymir est en dessous. Donc je suis grimpé par la façade du temple. Hein. On peut même aller beaucoup plus loin. Bon, c'est pas le but de la vidéo. Ça, c'est quoi ça? C'est de la pierre simple. Donc, on va pas s'en encombrer. Hop. Donc, elle a toujours froid. Hein, mais bon, ça va. Ça va, avec la torche, elle n'est pas congelée. Donc, on va aller. Donc, là, il y a du fer, ok. On peut aller par là, voir un peu ce qu'il y a d'autre. Ouais, donc là on redescend, enfin on redescend. Ouh, là va se faire mal. Ouf. Là, ça descend dur là quand même. Ouais, je vais pas redescendre en fait. Hein. Donc le temple donc d'Ymir c'est fait. La religion d'Ymir c'est faite. Ah regardez, là il y a un spot de fer. C'est où ça sur la carte? D'accord. Ok. Donc si on veut faire une base ici, il faut venir la faire ici, quoi. Pardon. Parce que là, il y a un spot de fer incroyable. J'ai essayé de pas tomber. Et voilà. J'ai essayé de passer par là. Je vais lui retirer. La pioche, je vais lui retirer la torche. J'espère qu'elle va pouvoir se rattraper. Voilà. Et on va descendre comme ça. Jusqu'en bas. Je crois que je suis arrivé. Oula. Non, ça va. Ah oui, donc là, il y a un spot de fer, quoi. Si vous voulez faire une base dans le coin, je pense que c'est un bon endroit. Hein. Ah bah attendez, il y a même un camp de PNJ à côté. On va aller saluer. Croyez pas? À moins qu'il soit balèze, hein, parce que si c'est. Donc il y a un petit camp de PNJ ici, d'accord. Alors qu'est-ce que t'as sur toi? C'est quoi ça? Du cristal, de la barre d'acier. Pourquoi pas? Ça m'évitera de les faire, mais. Toi, c'est un arbre de gaz. J'ai vu ça dans. Oui, allez, on va le prendre. On sait jamais. Bon, j'ai bien ma glace noire, donc c'est même impeccable parce que je pensais pas faire ça dans cette vidéo. On va aller au camp quand même, voir un peu s'il n'y a pas une recette qui traînerait. Voilà.
Donc c'est la crête d'Alostralt. Bon, si à tes souhaits. Je sais pas si je l'ai bien dit. Il n'y a pas de recette qui traîne quelque part, non, ça a pas l'air. Hein. Par contre, disons un coffre là. Hop. Ah, des poignards en acier, oui. Un poignard en fer, du fer, des flèches. Je vais prendre l'écorce en fait. Ça, les poignards en acier, on s'en fout. On va prendre ça, 98. Bon, les flèches, allez, on les prend. Bon, les poignards, si je pourrais équiper un de mes. Allez, le poignard en fer aussi. Et puis le reste, on va laisser. Donc tiens, on n'a pas de recette ici. On va bien regarder quand même. Donc voilà. Bah, sur la carte, il faut se noter ça. Que à la crête de là, il y a le spot de fer pas loin. Donc pour faire sa base, bon, on peut pas la faire à côté du camp de PNJ, ça serait un peu gênant. Donc comme je suis bien chargé, donc on va regarder. Hein. On a bien appris les temples, vous voyez. Bon, ça c'est le mien. Seth, Yogg et Ymir. On les a. Donc là on a ceci, on va pouvoir créer pas mal de choses. Donc on fera les temples. Hein. Donc là pour l'instant je vais faire une petite ellipse. On va aller au dernier endroit. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue, qui sera donc hop, on va se déplacer et qui sera ici. Donc bah, ce que je vais faire, je vais me téléporter à ma base, décharger un peu tout ce que j'ai et me mettre près de là et des boucaniers, il y avait des boucaniers et je vais traverser pour aller par là parce que je crois pas que j'ai un endroit. Ou alors c'est vrai que le parcours de ma base à là c'est assez simple. J'irai profiter pour faire du sang de démon. Oh non. Non, non, je vais m'étaler au déboucanier. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour la dernière religion. À tout de suite. Pour le dernier dernière religion, je pense que je suis arrivé, mais ça n'a pas l'air d'être simple, parce que d'habitude, il ne m'agresse pas. Et là, je me fais agresser par les gardes. Donc... voilà, on va retirer son arme. Non, il m'agresse encore. Alors, je sais pas si on va pouvoir apprendre la religion, hein, parce que... Allez voir un peu parce que là. The twin serpents whisper, and a stranger approaches. Apprendre la religion. Ok. Call me priestess. Call me Sultana. Call me exalted by the flesh and souls of my. Bon, lui, on va s'en débarrasser. Elle. On va s'en débarrasser. Alors, je sais pas qui c'était. Danseuse. Ouais, on s'en fout, c'est une danseuse. Donc voilà, on peut apprendre la religion. Mais il faut se battre. Bon bah d'accord. Hein. Ensuite, on va pas la tuer, hein, ça sert à rien. On risque pas d'avoir des choses sur elle. Alors, est-ce qu'il y a des choses à prendre ici? Il n'y a pas de coffre. Aïe. Il n'a pas l'air d'avoir de coffre et de choses et d'autres. Donc je vous montre sur la carte, hein, c'était bien où je disais, c'était bien ici. Donc voilà, hein, moi je suis arrivé d'ici, je suis passé le long ici, j'ai évité, bon j'ai tué quelques boucaniers sur la plage. Hein. Hop, je suis repassé là, 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 ici, 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 là, et voilà. Donc je suis arrivé ici, je suis repassé pas. Par la cité oubliée de Xéal, je sais pas si ça se dit comme ça.
Donc me voilà, j'ai appris donc la religion, la dernière religion. Qu'est-ce qu'elle avait sur elle déjà? Ouais, bon, hop, hein, ça fera toujours ça de prix. Hein. Et toi, t'avais quoi? Tu devais être un danseur, toi, tiens. Ouais, pas grave. Donc voilà l'hôtel. Alors, ils sont pas... Voilà. Si, on va récupérer les barres de fer, hein, c'est jamais. Hein. Puis, voilà, le bois, je suis pas chargé. Donc la statue, la voilà, de la déesse. Y a rien à faire, on peut pas... Non, il n'y a rien à faire, on peut pas ici asseoir, apprendre des recettes, non. Ah, elle peut grimper par-dessus. Comme la reine sorcière qu'il faut s'asseoir sur son trône pour apprendre quelque chose, non. Bon, bah, on a juste appris la religion, ok. Donc, eh ben, pour les religions, c'est fini. Non, là, c'est pas intéressant ce que t'as, toi. Ah, toi, c'est intéressant. Bah ouais, j'aurais dû faire les pièces d'argent, c'est... toujours bon à prendre ça pour faire de la poudre d'argent. Ouais, ouais, il faut bien regarder quand même nos... Bon, là, il y a ça qui est intéressant. Hop là, ça qui est intéressant, je disais. Donc voilà. Et ben, on en a fini pour les religions. Oui, d'accord, oui. Je vais m'occuper de vous. Pour la fin de vidéo. De tout. Alors, j'ai pas eu le temps de voir qui c'était. Ah, armurier niveau 3. Dommage. Ah là là, la bêtise là. Là, la bêtise. Hein. Un armurier niveau 3 ici, d'accord. Voilà. Dans le feu. Ok, alors ça c'est quoi ça déjà? Ouais, c'est ah non, ça j'ai pas encore vu. Alors, ah si, c'est ça. Attendez voir, on regarde. Ouais, c'est ce qu'il y a là. Bon, et ben là on sait qu'on a un armurier niveau 3. Ah, va falloir revenir. Et comme de fait exprès, je n'ai plus de place pour me téléporter. Hein. Bon, l'égout c'est fait, mais je préfère le garder. L'antre aussi. Base du Nord aussi. Cercle d'épée aussi. Boucanier. Celui-ci. Voilà, c'est une recette. Je vais la déliter, tant pis. Hop. Et on va se mettre un petit point... On va pas se mettre à côté quand même, parce que sinon on va se faire lyncher. Par où je pourrais me mettre? Je peux grimper par là, non? Attendez, va. On peut grimper dans l'arbre. Ah, impeccable ça. Ah oui, ça fait vraiment un bruit d'arbre, quoi. Oula. Ouais. Ah bah c'est le parcours que j'aurais dû prendre en fait, je pense. Ouais. C'est le parcours que j'aurais dû prendre. Je suis arrivé par ailleurs. Oui mais non. Ouais, je suis arrivé par les singes, j'ai découpé du singe, ouais. Donc on va revenir à peu près à côté du... Ah ouais, d'accord. On arrive ici, ok. On arrive ici, d'accord. Ok. Bon bah on y retourne, hein. On va se remettre un petit marqueur. Et non, on grimpe pas après ça, Joséphine. Non mais il descend. Descend. Voilà.
Donc on va essayer de retrouver le chemin, ce qui ne va pas être évident avec moi. Ah si, voilà. Voilà. Ah, t'es bloqué? Non. Donc voilà, il doit être par là. Donc nous, on va aller s'installer. Enfin, je vais me faire réapparaître par là. Voilà. On va se mettre ici. Je pense qu'on est bien. Voilà. Je pense que là, c'est bien. Donc, hop, on va se mettre un petit point de... On va l'appeler... un armurier. Voilà. Et bien, sur ce, nous, on va se quitter, puisque je pense que la vidéo était assez longue. Voilà, je vous ai montré comment avoir toutes les religions. Hein, celle de Mitra, bah, c'est au temple de Mitra qui est... enfin, le... Non, c'est vrai que quand je suis en comme ça, je ne peux pas mettre la carte. Qui est ici, elle vous apprend la religion de Mitra. Mais je crois que vous pouvez aussi l'apprendre quand vous êtes... je sais plus si c'est près d'ici, là, quand je mets ma roue quelque part dans... Et qu'il y a un rhinocéros avec un coffre, vous voyez où je veux dire, près de la statue de Mitra. Je crois que là, vous pouvez aussi l'apprendre. Vous avez deux lieux, mais je suis pas sûr. Mais normalement, le lieu principal pour l'apprendre, c'est ici, là, en haut, elle est là. C'est la chef des pirates qui vous apprend la... celle de Mitra. Allez, merci de m'avoir suivi et la prochaine fois, bon, on comptera certainement les temples. Hein. Voilà, allez, à plus, ciao, bye bye.